Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Alors aujourd'hui, travaux. Alors, papa, il est en train d'enlever le meuble. Je déshabille la chambre des bras. Ouais, c'est tout vide. C'est bien écarté là, Hervé. Ouais, c'est normal, j'ai fait exprès. Parce que pour sortir le sommier, il faut enlever ce meuble qui est là. Ouais. Bon, ça va, c'est juste du déboîtage. C'est clair. Maman fait la petite cuisine. Moi, j'aide un peu maman et papa. C'est tout trop bien. Après, on va tout ranger. C'est parti! Ça y est! Hop là! Bon bah ça va! Ah bah ça fait de l'espace hein! Ouais, ça fait bizarre parce qu'il y a un côté où c'est blanc et là c'est jaune. Voilà! Bah écoute, petits travaux. Alors nous c'est pas le ménage de printemps, mais c'est les travaux de printemps. C'est pas pareil. Oula! C'est parti, on enlève le lit. Et voilà, le sommier qui s'en va. Voilà. Parfait. Bon alors, pourquoi on fait tout ça? Parce que l'idée, c'est d'accéder maintenant au placard ici. On va se rajouter un petit placard maintenant ici. Et ici, Eva avait des rangements. Donc comme ça, elle va pouvoir accéder de nouveau à ces rangements. Surtout celui-là qui était profond. Ouais. Donc voilà. Donc au rangement là et au rangement qui sont là. Voilà, donc de son bureau elle aura accès à là et moi j'aurai accès ici. Ça c'est quand tu seras assise hein. Ouais. Tu t'assois et quand tu es assise, tu vas j'aurai accès à mon truc. On aura une deuxième petite fenêtre maintenant, donc on va avoir vraiment de la luminosité de plus et je pense que du coup ça va nous donner encore plus de volume. Ouais. À mon avis. Hein. Et on va pas enlever ça. Hein. Non, ça on y laisse. Alors, on laisse toute la structure en place, bon. De façon à ce que quand on va vendre le camion très prochainement, quand on va vendre le camion, bien sûr, on laisse la possibilité de faire ce lit superposé au rez-de-chaussée. Voilà. C'est un petit caillou quand même. Il est bien, notre caillou. Après, si on a une proposition d'achat, non. On le vend. Non. Ça dépend. Non. Faites-nous une proposition. Allez, tiens. Eva, elle veut pas. Bon, allez, s'il y a un acheteur, on le vend. Ouais, je le vends pas n'importe quel prix. Ah, ben ça, c'est sûr. Allez. Bon, allez. La vie, elle est faite de façon. Parce qu'il faut qu'il y ait du renouvellement. Hein. C'est important dans la vie. Hein. Puis on en fabriquera un autre, chérie, t'inquiète pas. Mais lui, bon, pour le moment, c'est pas d'actualité de toute façon. Allez, on continue. C'était la petite parenthèse. Vente de maison. Oh. Alors ça y est, on remet le meuble. Ah. Voilà, première étape, on est bon. Là, on va le remettre en place ici. Il avait sa place, celui-là, nickel. Hein. C'est clair. Le meuble est remonté, nickel. Ça va bien, là. Ça y est. Ah. Et puis là, la petite touche finale. On a acheté ça hier à Action, 2 euros. Ouais, pas cher. On va y mettre ici. J'avais prévu cet emplacement pour mettre ça là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être bienvenu ou pas? Ah, c'est joli, je trouve. Allez,
on va y fixer tout de suite. Je vais chercher une petite vis. Donc ça, on a refixé le meuble là, celui-là, enlevé le sommier. Je trouve que ça fait plus lumineux. Je sais pas si c'est une impression. Non, c'est pas du tout une impression, c'est... Et donc là, on va finir de ranger les bureaux. On peut déménager tout notre bins. Ouais. Et puis après, déjà on va manger. Ouais, parce qu'on a faim. Et hier, on s'est ramené du canard. Donc là, on va manger du canard. Et puis après, eh ben, on va continuer hein, dans le rangement parce qu'on a pas mal de petites choses à faire. Donc hier, on a mis le miroir juste ici. On a acheté mes petites têtes de Bouddha ici pour le savon. Ouais. Donc plein de petites choses qu'on est en train de mettre en place. Mais on va vous faire voir ça au fur et à mesure. Là, je vous ai fait un petit repas, mes petits canards. Alors là, on se fait plaisir à midi. Eh, on a fait des travaux, on se fait plaisir. Hein. Ouais, on a rien. Hein. Enfin, c'est pas midi, hein, c'est 2h, mais c'est pas grave, on mange en décalé. Tu m'étonnes, mais on mange des frites. Maison. Des petites frites maison qu'on a coupées, regardez ça là. On se croit à l'entrecôte à Lyon. Est-ce que vous connaissez l'entrecôte? Le plat unique. C'est bon. Voilà. Bah, elles sont meilleures, tiens. Voilà. C'est normal, je les ai. Allez, hop. Et le canard qu'on a fait cuire, regardez ça. Oulalalalalalala, lui donne envie, regardez comme c'est rosé un peu à l'intérieur, on va le couper ensemble. Et remettre-le en route, ça y est. Ouais. Ça fait du bien. Hein. Puisque c'est ça, on leur fait un petit café. Ouais. Mais après, il faudrait que je m'habille. Bon, ça y est, la bande de... est remise en route. Donc, nickel. Coucou. Alors, journée un peu spéciale, matinée un peu spéciale aujourd'hui. Je prépare un petit apéritif pour ce soir. Eva est en train de faire ses devoirs et moi, je prépare un petit apéro là avec plusieurs petites choses bien sympathiques pour les copains, pour surtout l'entreprise dans laquelle je travaille. C'est mon dernier jour aujourd'hui. Ouais, j'ai dit aux collègues, allez, on va faire un pot de départ parce que bah, on a passé un bon moment quand même tous ensemble à travailler. Dans cette ville où on s'est quand même immergé, nous, complètement. Et c'est vrai que ça a amené à plein de choses dans le travail, hein, de rencontres. Et bah, ça mérite de finir sur les chapeaux de roue, comme on dit. Donc bah, voilà, ce matin, c'est petite préparation pour ce soir. J'emmène ça quand je vais partir au boulot. Et puis, on va boire un coup ce soir tous ensemble. Et moi, je fais une soirée pyjama. Et voilà. Et Eva, ce soir, elle va dormir chez une copine. Voilà, donc elle est contente, qui s'appelle, donc elle va se reconnaître, qui s'appelle Cléa. Cléa, coucou Cléa. Ah, ça va être bien, vous allez faire une soirée pyjama ce ouais, soir. Ouais, j'ai amené un gros sac. Alors, elle a amené un sac, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Bon, bah c'est bien. Allez, on finit les devoirs en même temps et puis on avance. Alors, c'est parti, papa prépare un petit apéro. Moi j'aime bien le gras, je le mange. Oui. Oh mince. Ça va dans la bodenne. Ouais. Il y en là, a qui... On applique de ça là, du tartare. On peut mettre autre chose. Du carré sur frais. Une tranche de jambon. Et après on va l'enrouler et on va couper comme ça. Et ça va donner ça. Alors c'est une très belle présentation. Et en même temps... Je vous jure que c'est délicieux. Merci. Et oui, c'est ludique les devoirs ici, hein Eva? Ouais. On est en train d'apprendre l'histoire des trois petits cochons, tout ça en anglais. Et on a appris hier en français l'histoire du... corbeau et le renard. Voilà. Et en fait, c'est là, il est là. On voit un corbeau à travers la fenêtre, regardez ça. Et la dernière fois, il y avait une mouette. Ça y est, regarde, elles ont éclos.
regarde là, celle-là. Ça y est, c'est le printemps, mais il n'y a pas de soleil. Hein. Aujourd'hui, il fait pas beau. Tous les jours, sur notre tracé pour aller chercher la voiture, on voit l'évolution de ces fleurs. C'est fou. Hein. Quand tous les jours, on regarde la même et voir cette évolution, c'est magnifique. Regardez ça, avec la vue derrière qu'on a. Oh là là. Allez, on est parti, journée sportive aujourd'hui. Et voilà, vous avez vu qui c'est qui était suspendu? Sur le pont. Et ouais, alors, à votre avis, où on va? Nous sommes à la frontière entre la Suisse allemande et la Suisse romande. C'est ça, en fait, on change de canton. Voilà. Là, on est dans le canton de Vaud, on était dans le canton de Neuchâtel. Et maintenant, c'est pas le canton de Vaud là encore, le canton de Berne. Donc on change de canton, on quitte le canton de Neuchâtel pour aller au canton de Berne. Donc canton suisse-allemand. Allez. C'est l'avantage d'un vélo pliant, on est dans une petite voiture. Regarde. Je regarde bien. Et voilà, un gros vélo dans une petite voiture. Voilà, une aussi grosse voiture. T'es contente chérie, ton vélo? Ouais. Mon vélo. Allez, je vais garer l'auto. Allez, vous voyez, l'avantage des véhicules pliants, c'est que ça tient dans les coffres. Donc ça c'est bien. Ça permet de prendre les vélos sur le porte-vélo, les trottinettes dans le coffre. Et nickel, surtout que celle-ci est pliante. Elle se plie vraiment bien, donc c'est nickel. Allez, on met le sac à dos et on rejoint la presqu'île de l'île Saint-Pierre. On rejoint la presqu'île de l'île Saint-Pierre. Saint-Peter-Hinsel. Saint-Peter-Hinsel. En Suisse-Allemande. En Suisse-Allemande. Vous avez vu, hein? Si je fais comme ça, j'écarte les bras, ça vous fait penser à quoi? Avec les maisons typiques, là, rien. Allez, on rejoint le lac par le long de la forêt, là, pour rejoindre les filles qui sont au village.
Alors regardez comme c'est super bien entretenu ici au bord des berges. La promenade est agréable. Hein. Et avec. Alors c'est rare quand je prends la trottinette comme ça pour faire des longs trajets. Et ça permettra de faire un bon test hein, de curcurine G2 qui va pas mal, hein, même sur des chemins comme ça un peu bossus. C'est très bien. Regardez ça. Ça y est, hein, tout le monde se met en place hein, pour les campings, pour les week-ends en camping. Alors en Suisse, c'est comme ça. Hein. C'est l'été à partir du 1er avril, disons que les gens commencent à sortir leur camping-car, leur caravane, avec leurs jouets qui vont bien, de façon à pouvoir justement profiter des beaux jours, les tonnets, l'extérieur. Et là, regardez ça derrière moi, le parc à enfants avec le super lac en face, le petit ponton ici pour amarrer les bateaux. Et voilà, on rejoint Marion. Ça s'est passé par la forêt. Ouais. Ça va, c'est super. Ouais, ouais, ça s'est bien passé. Ah, c'est un joli village ici, dis donc. Joli, hein. Alors nous, avec Marion, on a l'habitude de passer en face. Hein, là, l'autoroute, on la voit là. Et ouais, le truc, voilà. Ouais. L'autoroute, on s'imagine pas que c'est très joli comme ça ici de ce côté. En fait, la largeur, là, t'as que le demi-lac. Parce que t'es... Là, on va commencer la presqu'île là-bas et t'as encore de l'eau de l'autre côté. Eh ouais, ouais, ouais. Et on ira à la réception demander les prix du camping. Ouais. Si ça intéresse quelqu'un d'entre vous de venir ici dans la ville de Herlar ou. Vous avez vu cet emplacement de camping qui sont agréables avec la petite buvette derrière moi là. La plage, alors c'est d'une propreté et exemplaire si on peut dire, même l'herbe. J'ai demandé à Christophe si on pouvait marcher dessus. Regardez la plage. On est en Suisse allemande comme dit Marion. Regarde, on a des beaux vélos qui ne sont pas attachés, tout va bien. Et ouais, regardez ça. Normal. Et on s'inquiète pas. Nous, on était perturbés, on les a attachés quand même, nos vélos. Voilà, regardez d'ici le camping comme c'est joli. C'est fou ce camping qui soit ouvert à tous, comme ça qu'on puisse rentrer dedans, rentrer et sortir. Ça doit être le camping de la ville, donc ouvert à tous. Je vous dirai tout à l'heure à combien sont les emplacements. C'est souvent des emplacements juste pour le week-end en général. Et voilà, avec le petit sauna qui va bien, avec une vue magnifique de l'autre côté là. Ça doit être joli, hein. Alors, pour tous ceux qui parlent anglais, allemand, pardon. Alors, en record d'apnée, ça vous dit ? Et ouais, on fait le tour du port, on est en train de regarder tous ces bateaux. Opérer 2-3 modèles qui nous intéressent. Alors chérie, t'as vu un modèle qui t'intéressait dans le port ? Non, moi je suis de l'autre côté de la couleur de l'eau transparente. Mais ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas un seul poisson. T'en vois toi ? Et ils sont cachés ? Et pourquoi ? Est-ce qu'il y a du monde ? Parce qu'il fait trop froid. Je pense qu'il nous fait ouais, c'est chaud. Vrai qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de poisson. On n'en voit pas là. Apparemment, il y en a pourtant. Voilà. Hein.
Eh, les donuts. Fondue donuts. Ça, ça doit être agréable sur le lac. Hein. Il y a le parasol, t'as vu? Ah oui, il y a un parasol. Et là, c'est pour c'est la même chose, là, mais ça, c'est pour le barbecue. Ah le barbecue. Ouais, regarde ça. Barbecue. Super, et puis tu fous une bouée, là, puis t'es au milieu du lac. Oh là là, ça, ça serait pour nous, chérie. Écoute, tu peux prendre, c'est pas attaché. Regarde ça. Il y a des beaux vélos, hein. Il y a des très beaux vélos ici. Non, mais attends, je les adore, ça, moi. Ouais, moi aussi, j'adore ça. Par contre, qui dirige, là, le... Oui, c'est de l'autre côté, en fait. Oui, près. Le lac de Neuch. C'est de l'autre côté. Ça, c'est bien, mais ça, c'est Mora. C'est juste là. Stormy rain tried to wash away the... Alors, il est pas beau celui-là? J'adore la couleur. Hein, chérie? Ouais. Pourquoi? Tu vois, notre camion, je vois bien des tons comme ça, un petit peu. Ah bon? Ben ouais. Ah non, non, calme-toi quand même. Si, franchement, comme, ouais, si, c'est des couleurs chaudes d'été, tout ça, ça... Non? Qu'en pensez-vous? Alors, chérie, je te vois regarder un peu de partout, comme ça. Bon, c'est quoi alors, que tu ressens? Je vois du positif et je vois du négatif. Dans le positif, c'est que c'est très famille, ça crie pas, c'est respectueux, c'est très très bien. Dans le négatif, pour moi, hein, je trouve qu'ils sont tous les uns sur les autres. Là. Le camping, c'est vraiment collé serré. Hein. Oh, mais alors, donc on a été demandé les prix à l'accueil là. Donc là, week-end de Pâques, bon, déjà c'est complet. Et c'est 50 francs la nuit. Environ. Ça, ouais. Environ, ouais. Donc ça peut varier plus ou moins selon la taille de l'emplacement qu'on veut. Et surtout suivant la période aussi. Donc elle a fait une moyenne de 50 francs. 50 francs, ouais. Mais par contre, moi ça me dérange, ils sont vraiment vraiment les uns sur les autres. Hein. Par contre, voilà, c'est très familial, tout est ouvert, c'est respectueux. Donc plutôt, par contre, un cadre très très agréable, ça de ce côté-là, rien mais à je dire. Pense pas que, tu vois, pour te rejoindre, ça soit pour eux justement un problème. Je crois, ici en Suisse, comme tu dis, comme vu que c'est familial, tout le monde est en groupement, tout le monde se parle, c'est vraiment... Je sais pas, ou alors ils passent c'est vraiment familial. Caravane, je ne sais pas. Ouais. Eva qui vient de me ramener son gâteau. Merci. C'est l'heure du goûter pour cette fois. Allez, on va aller faire une balade à vélo. Allez, balade à vélo. Oh, de ces vélos, je suis impressionné. Des marques que je connais pas, hein, normal, des marques allemandes. Je disais, c'est ceux qui vont aimer maintenant. Voilà le bateau qui repart, regarde. Je pense qu'il va à Neuveville. Ouais. En face, c'est la vieille ville. Ils disent pas comme ça ici, ils disent pas la Neuveville, ils disent Neuville. Ah ouais? Ouais. Tout attaché. Ouais, ouais. Enfin, on va demander à Christophe, je me rappelle plus, mais ils disent pas la Neuveville. Alors ça s'écrit la Neuveville, mais je crois qu'ils disent que la Neuville. On est grillé si on dit la Neuveville. C'est ça. T'as vu la neige là-haut hein, encore? Ouais. Non mais hey, il faut savoir un truc. Hein. C'est qu'ici en Suisse, on a les quatre saisons en une journée. On passe de 20 degrés à moins 20. C'est incroyable. C'est vraiment les quatre saisons en une journée. Mais par contre, on a des paysages magnifiques. Vraiment très beaux. Comment on dit la Neuveville? C'est la Neuveville? Neuveville. Comment ils prononcent? Alors, eux, ils appellent ça la Neuville. Ah, la Neuville, voilà, c'est ça. Bon, vous voyez, je cherchais le nom tout à l'heure, c'est la montagne du Chasseral. Apparemment, là-haut, c'est à 1700 et quelques mètres d'altitude. Vous voyez, c'est où je vous disais qu'il y avait de la neige. Donc, c'est ce fameux contraste entre les plages et les montagnes à 1700 mètres à proximité. Hein. C'est fou, hein? Une super vue là-haut, apparemment. Pour tous ceux qui connaissent, dites-nous-le dans les commentaires.
On va essayer d'y aller pour voir un peu ce que ça donne là-haut. Regardez, ma petite chérie, elle est toute fatiguée de sa semaine. Je suis très fatiguée. Vraiment fatiguée. Mais bon, ça va. On tient le bon bout. Tant que bah, je dors pas derrière. Les semaines sont chargées et intenses. Sont chargées, ouais. C'est que le week-end, normalement, ici, ça sert à se reposer, mais nous, on se repose pas beaucoup. Oh, c'est ouais. Ça. On se couche tard, on se lève tôt. Ouais. Ce matin, t'étais à quelle heure en bas? 5h30. Ouais. On fait des activités. Quand je dis en bas, c'est au rez-de-chaussée de notre véhicule. Hein. Pour faire le montage vidéo. Ouais. Et moi, je t'ai rejoint. Bah non, je suis descendu. Ouais. On est descendu en même temps. Tu m'as fait mon café. Eh oui. En tout cas, ta vidéo est prête pour demain. Bravo. On rigole plus là. Hein. Bientôt 3 par semaine. Hein. Ouais. Bientôt 14, ça, on aura repris la route. Hein. Bientôt. Très bientôt. Ouais, là, j'expliquais à Christophe et à Céline que... Christophe, c'est vrai qu'il a raison, ce qu'il dit, ça fait penser à un petit Harley, un peu, en mode... Harley d'Avinçon, ouais. Pas cité là-bas. Harley d'Avinçon. Et ben, on reçoit très prochainement un nouveau vélo de la même marque, alors qu'il sera pas pliant, celui-ci. On verra justement sa stabilité par rapport à ça, tout ça, mais pour en revenir à celui-ci, c'est un super système là qu'ils ont conçu. Il n'y a pas de jeu du tout dans la selle et dans le système de pliage. Donc nickel, même là. Bon, bah, on va sur la presqu'île de... Mais non. On voit qu'elle est fatiguée, ma petite chérie. Ouais, donc là, on est sur le début du lac de Bienne, à côté de Neuchâtel. Et on va sur cette fameuse presqu'île. Ouais, toujours sur la presqu'île, environ 4 km de long. Hein. Puis là, on arrive, ça fait un long chemin comme ça, regardez ça. Alors, ça serait pas un bel endroit pour faire un bon pique-nique là, regardez ça. Oh là là. Là, tu viens en bateau, t'imagines, t'arrives là. C'est classe. Hein. Oh là là. Et ce qu'on disait, c'est impressionnant parce que tous ces lacs, hein, le lac de Bienne, Mora et Neuchâtel, se rejoignent. Donc avec un petit bateau, il y a moyen de faire les trois lacs. Hein. Oh là, la possibilité ici, avec un bateau, c'est vraiment exploitable. Hein. C'est vraiment bien. Et puis là, on est en pleine nature. On adore ça parce qu'on entend des oiseaux toute la journée. On a les filles qui nous attendent là-bas. Allez, Marion est en train de ranger la GoPro dans le sac, voilà. Et on utilise maintenant l'Insta 360 Ice Pro. Vous allez voir la différence dans le tournage vidéo à partir de maintenant. Ma caméra. Non, ma caméra. Ah non, t'as voulu la GoPro toi. Allez, à toutes. Allez, en tout cas, c'est moi qui pars avec. Hein. Allez, on se rejoint, chérie. À toutes. C'est tout bon, on y va. Allez, je vous ai mis devant, accroché à mon t-shirt. On fait un essai de test de bruit par rapport au vent. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on vient de mettre un vent à Christophe, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Mais en tout cas, elle marche vraiment bien cette trottinette. Hein. J'en suis assez satisfait sur l'ensemble, vraiment. Allez, on reprend la route. Ah, c'est quand même assez long, hein. Ah, il y a ces super endroits de pique-nique avec les bancs comme ça, avec le barbecue au milieu, c'est super. Hein. Et là, on est vraiment sur le bout de l'île. Hein.
de la presqu'île, pardon. Regardez là, comme c'est agréable. Imaginez-vous le soir ici. Regardez ça, voici les Black Angus, la race Angus justement, les vaches noires. Eh oui, alors, vous êtes toutes prêtes? Eh ouais, la Black Angus, qui c'est qui connaît? Voilà, apparemment c'était un monastère. On rejoint Marion et Eva qui sont là. Joli, hein. Donc apparemment ici ils font des mariages, c'est un hôtel aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il prend quelque chose dans son sac? Oui. Quand elle vient comme ça tout doucement vers moi. T'as vu? Distributeur de cigarettes, mais regarde bien la subtilité. C'est interdit aux mineurs. Tu mets ta carte d'identité. C'est et seulement vrai. Si tu es majeur, bah déverrouillage automatique. Et seulement si tu es majeur, tu peux t'acheter tes cigarettes. Comment? Il y a la carte d'identité. C'est bien. Ouais. C'est bien. Ils vendent toutes sortes de cigarettes, non? C'est des cigarettes, ah ouais, Lucky Strike. Ça. Marlboro, 9 francs. Non, 19. Ah non, 9 francs. Bah, c'est pas 9. Cher. Bah. Je trouve cher. Bah, chérie. Combien ça le paquet de cigarettes? C'est 12 francs, 12 euros à Lyon. Oh là, quoi. Bah, je sais pas combien coûte un paquet de cigarettes, un paquet de Marlboro en France. Ici, le paquet de Marlboro est à 9 francs. Donc un peu plus de. À peu près 10 euros. Quoi. Moins que ça. Ça dépend le taux de change du moment. Faire des réceptions ici, c'est vraiment magnifique. Regardez d'ici, c'est un ancien monastère. Il y a des bancs autrement là, Eva, si tu veux. C'est vraiment joli. Tu veux trop marier ici? Ouais. Elle dit jamais non. C'est dingue ça. Bordé de vignes. Oh là là! Alors là, je pense qu'on va avoir une sacrée vue. Hein. Et là, tu viens l'été au coucher du soleil. Ouais, ça doit être magnifique. Incroyable. Donc, on est sur le bout de la presqu'île ici. Hein. Ça grimpe. Hein. Vraiment.
Attention. Là, le sol est gorgé d'eau, hein, par contre. Bah, on voit qu'il... Il pleut pas beaucoup. Alors on comprend maintenant, on en rigolait parce que... Vous savez que les belles cartes postales qu'on voit de la Suisse, en général... C'est bien vert. C'est bien vert. Et je peux vous dire qu'on comprend pourquoi. Hein. C'est qu'ici, bah, il pleut beaucoup. En période hivernale et automatiquement... La nature est belle. De l'eau, du soleil, de l'amour. Alors oh, ça, c'est quoi cet élan? Mais en fait, le bouclier est juste là. En fait, ouais. La presqu'île. Bien, bah, c'est tout droit. Et voilà. Donc bien est en face là. On est dans la longueur du lac. Et là, on a une vue magnifique. Là-bas, on a Neuchâtel. Dans ce sens-là, et bien dans l'autre sens. Et là, on a la fameuse route qui rejoint Neuchâtel à Bienne avec ses fameux radars cachés et ses 60 km/h tout le long. Donc c'est une grande route où on prend le temps d'admirer les paysages en général quand on se rejoint à Bienne. Voilà. Ouais, c'est en bois, c'est du bois avec des inscriptions là. VGH. Dans les Hauts-Doubs, c'est comme ça? Ouais, ici, pour ceux qui aiment la tranquillité. La zénitude, n'hésitez pas à venir vous promener ici sur cette presqu'île parce que ça, on ressent vraiment le silence. Ça fait plaisir. Voilà, tout est en fleurs, ça y est. Donc j'ai retrouvé à quoi ça me faisait penser ici. Ah bon? Tu sais, quand on était en Espagne, quand on était vers Lérida. Ouais. Et ben c'était là. Ça fait exactement comme ça. Là. Avec les roseaux tout au bord de l'eau, tout et ça. Les cigognes. Et puis les points de vue avec les petits miradors. Ouais, regarde, les blagues en pousse. Chérie. Ah, tu m'as fait peur. Ouais, il y a des bons beefsteaks là. Il y a de la bonne viande là-bas au loin. Mais bon, moi quand je vois la bête, j'ai plus envie d'en manger. Après. Ah, ça. T'as c'est comme tout à l'heure, on voyait des petits agneaux là, oh là là. Ah, les petits agneaux qu'on a vus tout à l'heure. Ils étaient tellement mignons. Non, il faut pas trop. Il en faut, mais pas trop. C'est ça. Ah, regarde, elles sont au toboggan, les filles. Youhou! Ça va, les filles? Ouais. Allez, va, 1, 2, 3, 4. Vas-y. Tu me fais. Allez, non, dis gaffe ça. Moi? Ok. Allez, les filles, on y va. 1, 2, 3, Cléa, 1, 2. Méga fort. Ah non, c'est pas possible. Bravo. Méga fort, méga fort, méga fort. Méga fort. Méga fort. Méga. Allez, Cléa, méga fort. Oh là là. Il est fermé. Mais l'été, tu rentres par la porte. Ouais. Ah, tu peux manger dedans, d'accord. Enfin, tu te sers et puis tu viens manger là. D'accord, ah ouais. Ils ont même sorti pour le... Alors, qu'est-ce que ça donne, les tarifs? Les boissons. Ça, c'est quoi? C'est les bières. 5,80€. 5 francs 80, pardon. Jolimont bière. Ah, tu vois, ils font une bière de Jolimont. C'est la butte de Jolimont qui a là où il y a la vieille ville. Ouais. Si on a un peu le temps, on pourra monter là. C'est voilà, Erdinger Weissbier. T'as vu les petits nichoirs à ouais, oiseaux? T'as vu, c'est des caramels. Chérie, c'est des nichoirs à oiseaux qu'il faut mettre chez nous, ça. Ah, ouais. Ah, les petits nichoirs à oiseaux en mode nomade. J'adore. C'est joli ici. Hein. Et là, en fait, tu viens ici, t'achètes ta chublig, la saucisse du coin, et tu viens l'été, tu viens la griller là. Ah ouais, c'est pour ça qu'il y a ces petits braseros, d'accord. Chérie, on va s'arrêter un peu plus loin, j'ai un truc à filmer. Tu veux acheter un steak? Non, je veux filmer il y a un beefsteak qui marche là-bas. Oh, une côte de bœuf. Il y a une côte de bœuf qui marche dans le pré. Regarde.
C'est pas drôle. Cabane où tu peux venir acheter ta viande. Ah ouais. Donc incroyable ici. Donc ici tu rentres dans cette petite cabane et comme vous avez pu voir, tu peux t'acheter ton bistec, ton steak, tu as des produits locaux et en fait tout est basé sur la confiance. Donc tu as une petite boîte, après tu mets l'argent dedans et tu pars avec tes courses tout simplement. Et tout est basé sur la confiance. C'est comme les vélos accrochés à nulle part. Les vélos, ils sont pas accrochés, les vélos électriques. Ils sont posés, on ne le vole pas. C'est incroyable. Mais je ne sais pas si on devrait être en extase devant ça. Non, c'est normal, non, en fait. Je trouve normal, ouais. Mais bon, c'est incroyable quand même. Allez, on y retourne parce que vous n'avez pas les odeurs de la ferme. C'est parti, on va récupérer Eva qui est déjà partie devant. Bien chérie, bien. Viens là. Allez, viens, on va se promener tous les deux. Il va faire du maintenant. Allez, je l'emmène au bout du monde, ma chérie. Allez, ma chérie, je t'emmène sur cette... Oh là là, c'est beau ici. Regarde ça, cette petite plage magnifique. Au débarcadère, regarde ça, comme c'est beau. Oh là, l'eau, elle est limpide. Oh. En face, direction la Neuveville et l'autre direction, Bienne. C'est d'une beauté, c'est d'un silence. €16 pour aller à la Neuveville, pour traverser juste en face. Ça, ça vous donne un peu les prix. Allez, on va aller maintenant à Neuchâtel. Un billet pour une personne, €32 pour Neuchâtel. Bienne, un billet, €27. Ça sent de l'Instagram, ça, non? T'es belle. Tu disais quoi? Alors, ça doit être des jeunes cygnes, puisqu'ils sont un peu marrons, et je crois que quand ils sont marrons comme ça, noirs, c'est qu'ils sont encore pas adultes. Dites-moi-le dans les commentaires, je suis pas sûr de moi, là. Coffee in my car and a detour in my way.
on prendra pas le risque de monter. Il n'y a plus de marche et que c'est plus conforme. Allez. En tout cas, c'est joli. Voilà. En tout cas, ici, c'est impressionnant parce qu'on voit que l'eau est montée jusqu'ici. Hein. Tout ça, ça a été poussé par, par l'eau, à mon avis. Regardez ça. Donc, je pense réellement que cette presqu'île doit être immergée hein, en hiver. On voit hein, les traces. Donc, dites-moi si vous connaissez les lieux, si c'est vraiment immergé complètement la presqu'île. Ça m'étonnerait quand même. Voilà. Mais bien de moitié, je pense. Un crapaud sur une boîte d'allumettes. Christophe qui est en train d'essayer le vélo électrique, il est agréablement surpris ou pas? Impressionnant. C'est puissant. Hein. Faut vraiment, à mon avis, faut vraiment pas démarrer en 5, ça va vraiment vite, mais ouais, non, c'est vraiment, c'est easy, quoi. Ouais. On va lui demander le ressenti. On est bien assis et vraiment on sent que c'est robuste. J'aime pas la trottinette, j'aime mon vélo. J'aime mon vélo. Parce que t'as pas l'habitude. Non mais c'est pas stable, c'est pas... Ah bah c'est ça. Non mais c'est surtout la trottinette en ville pour les petits déplacements. Là c'est grand chemin, voilà. Pour les grands chemins comme ça, c'est pas idéal. Tu fais pas de sport? Non, mais c'est pour les petits déplacements en ville. Voilà, quand tu veux aller repérer un spot, un machin comme ça. En ça, ville, pour se balader, pour... Voilà. Mais c'est mon vélo. Chaque chose à... Bon, on va regarder la fondue chinoise, à discrétion, 31,50 francs. Là, c'est à discrétion? Alors, dites-moi dans les commentaires, ça veut dire quoi, à discrétion? Alors, à discrétion, eh ouais. Alors dis-nous ce que c'est la discrétion. C'est sur réservation, discrétion. À gogo. À gogo, ouais. À volonté alors, ok. Ça va? Ça va, 31. 31, ça va, oui, je trouve que c'est pas trop onéreux. Au CLU, tu sais, la Maurie. C'est dans ces prix. C'est dans ces prix-là. Hein. Voilà, ça vous donne un peu une estimation. Et là, celle-ci, le menu Abendessen. Abendessen, ça veut de le soirée. De soirée. D'accord. Manger de soirée et Abendessen, c'est ça, c'est de soirée. Quoi. C'est, donc c'est ce soir, okay. À partir de 17h. Et là après, et de la Black Angus, ils en vendent ou pas là? Je sais pas. Non, ils vendent pas de la Black Angus, pourtant elle est au bout du chemin. Et non. Elle n'est pas vendue. C'est le poisson, chérie. Mais ouais, c'est surtout le poisson, t'as raison, chérie. Oh, mais ils pourraient faire comme une spécialité Black Angus. Les vaches, elles sont là. À 50 balles qui est hors de prix, et ça, il n'y a pas photo. Hein. Ça, c'est bien meilleur marché boeuf. Parce que là, c'est. Entrecôte de bœuf. Ouais, mais ils disent pas quel bœuf. Ouais, ils disent pas. Nous, on veut le Black Angus. Je sais pas où tu retrouves. Elle est fatiguée, Eva. Hein. Ouais, non, c'est ouais. Peut-être, non, ça va. Fait 12 kilomètres. Eh oui. Et c'est ça, faire une soirée pyjama et faire 12 km à vélo après. Et les parents, regardez, ils ont gardé les enfants, ils sont aussi défoncés. Non, mais... Non, ça va. Ça va encore. Ah non, on peut faire Cléa. Ça va Cléa, t'es en forme toi? Ça va. On y va? Ah, regardez, ça s'illumine là, ça y est. On va repasser vers le camping, ça doit être joli le soir. Ouais, ouais. Là, l'ambiance du soir du camping, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, le camping est tout ouvert, c'est le camping de la ville. Et en fait, on est dans le camping là. C'est fou parce que tout est ouvert, il n'y a pas de portail, rien. Ouais, on va passer par la forêt.